Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Bob Lennon, et bienvenue dans la suite incroyable de... Resident Evil 2. Oh, ce jeu qui coopère, c'est ça qui est bon. Bonsoir à tous et bienvenue en tout cas pour la suite de l'aventure incroyable dans les labos d'Umbrella, puisque nous y sommes plongés, nous avons enfin de quoi pénétrer à l'intérieur grâce à Ada qui s'est vaillamment sacrifiée pour nous. Je dis n'importe quoi, elle s'est sacrifiée comme bruit. Et du coup, nous sommes dans un endroit qui est beaucoup trop éclairé, beaucoup trop sécurisé et qui a l'air beaucoup trop clean pour être un endroit... digne de confiance. On a 20 balles de magnum, amplement de quoi nucléariser tout ce qui bouge sur la côte ouest des États-Unis. Donc ça devrait bien se passer. Arme principale, cross, moi je m'en fous. De la poudre de Mathilda, oui. Des objets que ça va rien. Des couteaux, un couteau qui est très légèrement utilisé mais pas beaucoup. Des plans. Des munitions, des drepoux. Beaucoup de drepoux. Très bien. Allons-y. Et donc la dernière fois. Enfin, il y a un papier là. Bracelet d'identification. Ce centre de recherche utilise une technologie de pointe afin d'assurer la sécurité des employés et des méthodes de travail efficaces. Pour entrer sur le site et en sortir, et pour manipuler certains équipements, les employés doivent utiliser un bracelet d'identification. Il existe trois niveaux d'accès. Visiteurs, employés, cadres supérieurs et code-barre à Auschwitz. L'authentification se fait grâce à une puce électronique située dans le bracelet. Pardon, excusez-moi, c'est Umbrella. Le niveau d'accès du bracelet peut être modifié simplement en insérant une puce différente. Des bracelets visiteurs peuvent être distribués aux familles des employés, adressez-vous à la réception, blablabla. Très bien. Excellent. Parapluie Corporation. Déjà, ça inspire la confiance, si tu veux. Security Room. Pas de bruit, personne. L'endroit a l'air relativement clean, ça se passe plutôt bien. Un lit rempli de sang, donc le mec a dû se faire manger. Putain, il avait sa cafetière et son... Et là, il a gardé son PC ouvert. Oh, le mec, il est sur Skype. Waouh. L'irrespect de cet homme. En 98, hein. Sauf si dans ce remake ça se passe pas en 98, mais enfin bon. Plan du labo, zone nord. Ok, ça dit qu'il y a des balles de fusil à pompe. Eh hey. Comme quoi, tout se goupille. Avec la pizza. Les écrans qui sont tous désactivés, bien sûr, parce que ce serait dommage que ça se passe bien, si tu veux. Excellent. Allons-y. Ah! Access denied. Très bien. Pas de problème. Ah! Ah! Oui, ce serait dommage d'avoir de la lumière partout, bien sûr. Les chiottes sont à droite. Les chiottes sont bloquées par des cartons. Très bien. Ah! Effectivement, oui. Oui. Bon. Eh ben écoute. Et ça là-bas en bout, c'est level 2 et ça c'est level 1. Ok, très bien. Bonjour, la réponse est non. Bonjour. Bonjour. Ah. Alors. Bonjour. C'est comme la foire au ballon.
Notre menu basé sur nos recherches biologiques répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection d'aliments bons pour la santé. Ah ouais, notamment l'apport journalier en plomb. Pour une alimentation équilibrée. Mangez, bougez les enfants. Il est... difficile. L'heure est difficile si vous voulez. Tu peux que je t'aspire, toi ? Ah, très bien. Très bien, et là, il y a une échelle. Mais d'abord, fouillons l'endroit. Maintenant qu'on a vidé l'espace de la soixantaine de zombies qui allaient obligatoirement se relever et venir nous casser les couilles sans aucun doute. Du carburant de lance-flamme, bien sûr, c'est ce qu'on trouve dans une cafétéria. Des serviettes, des pailles. Ouais, c'est sûr que là, pour le coup... Des balles! Eh ben, c'eût été utile 5 secondes plus tôt. Enfin, tu me diras avec ce que je leur ai mis dans la bouche, tu me diras. Là, il y a un carton. Il y a des choses ici. Putain, il m'a fait peur, la porte. La porte qui m'a fait sursauter, si tu veux. Mec, il a des zombies, des liqueurs, un Fanta qui essaie de me défoncer la gueule, tout va bien. Ah, une porte! Mec, il est terrifié, si tu veux. Y'a rien d'autre ici? Qu'est-ce que j'ai raté? Ça dit que je rate un truc et j'aime pour ça. Je ne sais pas ce que je rate et je suis en train de devenir psychologiquement fou. Là, il y a une drepoux, ça dit. Mais elle est de l'autre côté, elle est dans la cuisine. Ah merde alors! Putain. Petite frayeur à chaque fois, ce... Ça? Non, non, c'est pas ça. On est d'accord, hein. Putain, le mec, il va passer 3 quarts d'heure à chercher dans cette salle à la con. Ça se trouve, la cuisine et la cafette, c'est la même chose. Ok, attends, il y a une échelle, sauf qu'avant d'y aller, prenons la porte. Ah, mais c'est une level 2, c'est ça? Cette zone est réservée au personnel habilité. Et merde. Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer. Très bien, très bien. On va faire le grand tour. El Grande Torino. Là, dans le coin, là. Rien du tout, d'accord. Ok. Phew, pas d'alien. J'avoue. Je m'attendais à un petit replay. Hey, la drepoux. Et c'était pas ça, très bien. Des pancakes qui étaient encore en cours de d'usinage, si tu veux. Un couteau, pas mal. Et on a tout, d'accord, c'était bien ça. La cuisine et la cafétéria sont considérées comme la même pièce, en fait. Tout va bien. Où est-ce que... Bon. Vraiment, il n'y a pas de raison de... Voilà, il n'y a pas de raison de se tenter des actions au couteau ou des prises de risque inconsidérées, s'il te plaît. Je me suis dit que j'avais vidé ce chargeur de Magnum. Je me le suis promis. Et je vais m'y tenir. Salle de sieste. Ah, effectivement, les mecs dorment bien. Des balles de pépon, c'est cool. Ah ah, une puce électronique de niveau 2. Pin, 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 pin. Ça pourrait me servir. Exact. Voyons voir. Mais bon, c'est bien de la merde. Grosse technologie quand même. C'est Metal Gear. Ok. Muf.
Oui. Très bien. Muf donc. Un régulateur de lance-flamme. Élément pour lance-flamme, optimise la distribution du carburant et du gaz pressurisé pour une situation prolongée. Oh ! Pour une utilisation prolongée, pardon, mes excuses. Effectivement, c'est bourrin. Et voir. Pourquoi c'était pas intégré de base ? Oh ! Ah, c'est Borderlands quand même. Sympathique. Et du coup, je peux m'en servir plus longtemps, paraît-il. Et j'ai fait le tour. Et il manque des choses dans la salle de sieste. Ah oui, non, mais il manque cette espèce de panneau électrique bizarre dont je ne comprends pas l'utilité ou l'utilisation. Très bien. Personne toujours ? Personne toujours. Excellent. Bon. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone Est. Le chef Cartwright demande le docteur Lee pour venir taper son édredon. Pardon, excusez-moi, c'était nul, mais c'est le genre de vanne que je ferais si on me donnait accès à ce genre de système de communication. Alors, c'est pour ça qu'on me donnera jamais accès à ce genre de système de communication. Il y a une logique, il y a un respect. Hop, hop, hop. Passionnant. Hop, voilà. Les vraies attentes, si tu veux. Hop. Hop. Et voilà. Ouais, pas mal. Pas mal. Est-ce que c'est réellement nécessaire? On commence à avoir pas mal d'équipements. Oui, 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 Bob. C'est nécessaire. T'as toutes les balles du monde. T'as un lance-flamme. T'as tout ce qu'il faut. Arrête. Ferme la boîte. Sauvegarde. Voilà. Et arrête de faire n'importe quoi. Ok. C'est clear. C'est clear. Enregistrement des forces spéciales. Alpha à Ghost, la cible se dirige vers la zone ouest. Il doit aller chercher le virus G, l'argent antiviral. Ici Ghost, compris. Rendez-vous au point O3. Bien sûr. Ici Alpha, on est arrivé à destination. Attendez la cible. Ok, très bien, on s'en bat les couilles. Ici Alpha, je vois la cible, il est prêt à ouvrir le coffre. Bien reçu, attendez le signal. Virus G en visuel, on entre. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. D'accord. Le virus G est dans la zone ouest. Compris. D'accord, le docteur Birkin n'a pas l'air de les avoir suivis calmement, si tu veux. Bon. C'est Resident Evil 5. Hein. Allons-y. À niveau 4. Ah, d'accord. Niveau d'admis. Niveau de mot de passe requis, Albert Wesker, quoi. D'accord, très bien. Niveau de mot de passe requis, Bébert, si tu veux. C'est quand même complexe. Zone Est. Fantastique. Ouais. Très bien. Pourquoi il y a des mythes ici? Quel est donc le but de ces mythes? On ne saura jamais. Oh, des pilules! Oh, des gouttes pour les yeux, mon gars! Oh, une télé! Putain, mais ils sont bien ici, hein. Et à tous les médicaments du monde. Tu me diras, Umbrella, c'est un peu une société pharmaceutique. S'ils n'ont pas de médicaments, c'est quand même la loose, hein. On va laisser cette plante en pot ici. Voilà. Juste histoire de se mettre bien. Mais il y a un coffre, en fait. J'ai dit n'importe quoi. Très bien, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce que... De la poudre. Très bien, de la poudre. Plante en pot.
Pas de papier sur les murs. Rien d'autre, ok. Merde. Non. Voilà, très bien. Quand même, pour peu que vous soyez un poil économe sur les balles, j'ai envie de dire le jeu est généreux. Le jeu est généreux. Vous voyez que j'ai quand même assez de munitions pour buter tout ce qui bouge. Si vraiment je faisais l'effort, je suis sûr qu'il y aurait moyen de... Bon, tu me diras, j'ai noyé des... Ma, qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Demi-tour. On va voir ici, ça m'a l'air plus festif par là. Et merde. Très bien. Demi-tour. Continuons donc sur la route. Même si ça a l'air festif, si tu veux. Améliorer le bracelet d'identification. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Mais nique-toi! Putain. Ah! Ah! J'exprime tout à coup, somme toute, une forme de regret. En tout cas, on espère que le lance-flamme sera... Oh, le beau. Et donc ça, c'est un liqueurs. Écoute, on va poliment ouvrir la conversation. Bonjour! Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres et ça mène à une porte. De la poudre. C'était tout ce qu'il y avait ici. Donc ici, il y a cette saloperie et de la poudre. Eh ben, ça a dégénéré quand même vachement vite. Hein. Heureusement, il n'y a rien d'autre dans la salle de conférence. On a tout gagné. Bonjour. Putain, merde. En espérant qu'ils soient pas curieux et qu'ils aient pas la volonté de passer des portes. Eh, une map! Où suis-je? Ah ah. D'accord, je suis là. Donc si je passe par là, puis par là, et par là, je vais dans le Drug Testing Lab et apparemment il y a un truc secret. Et là, il y a une échelle secrète. Problème? D'accord, bon. Très bien. Je l'ai entendu bouger. Hein. Est-ce qu'ils sont tuables? Genre, tuables. Oui. Pulvérisation de solution en cours. Touche. Eh ben, je pensais que c'était moi qui le remettais depuis le début, si tu veux. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Attends, avant d'aller nulle part, planifie déjà où est-ce que t'as l'intention d'aller. Il n'y a qu'une porte. Tout droit, à gauche, puis deux fois à gauche.
m'a vu et il y vient. Bon, mais tout va bien. Voilà, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ils ont l'air de rester là où ils sont. Et j'ai remarqué qu'ils avaient des espèces de grosses couilles jaunes sur eux. Donc je me pose la question, est-ce que ce serait pas un bon vieux gros point faible sale? C'est fermé. Ah, attends. Merde. Papier, crayon. Putain. Attends. Ouais. Puis une barre. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça m'aide pas, ça. Il me faut le reste. Et ça. Ça, ça évolue en Pokémon, ça, ou ça casse les couilles? Bon. Voyons voir. Synthèse d'herbicide. Synthèse d'herbicide pour plante 43. Alors, mettez du sel, du sel, du sel, encore du sel, et puis vous balancez ça partout. Et normalement, les choses devraient mourir. Ça devrait bien se passer. Placez une cartouche vide dans le distributeur solution. Jetez le volume nécessaire du MB numéro 21, P, epsilon. Refroidir immédiatement. La croissance de la plante 43 est phénoménale. Si jamais un incident venait à se produire, le processus est à notre contrôle. Si c'était le cas, fabriquer l'herbicide et les inscriptions pour minimiser les dégâts. Donc, on place une cartouche dans le distributeur, on injecte le volume et on refroidit immédiatement. Ce what? Sauf que là où j'ai la cartouche, si tu veux, il me manque... D'accord, la poudre noire est de l'autre côté et lui, il a une grenade. À moi! Sage, hein? Bon, il a l'air sage. On a une grosse poudre, ce qui nous permettrait de faire plein de fusils à pompe. Ce qui est pas mal, parce que j'ai déjà pas mal de balles, donc je pense que oui. Hop là, voilà. Très bien. Ok. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé le truc dans lequel j'étais censé l'intégrer, mais il me faut le mot de passe pour ça. Où est-il? Je les entends approcher si tu veux, j'aime pas ça du tout. Où est-il? Le petit petit gredin. Il était juste derrière, bien sûr. Oulala. Oulala, un symbole, attends. Prends ça, gredin! Ça a l'air de bien marcher, hein, même si la musique essaie de te stresser. Du coup, prenons le temps. Attends, prenons le temps. Voilà, petite tricherie, on est bien. Alors, attends. Donc, un E raté, deux barres, Tetris, et un autre E raté. Voilà. Très bien, donc maintenant que cet état de fait a été somme doute contenu. Mais ça m'a l'air d'être un point faible, ça, madame. Oh le beau! Demi-tour? Peut-être? Relevé lui. Eh mais ça repousse. D'accord, tout s'explique. Je comprends mieux donc le problème et la problématique qui s'y impose. Très bien. Cependant, ça devrait pas être une raison pour paniquer. Lui est mort et il n'y reviendra plus. Ça, ça m'empêche de passer. Il faut que je neutralise la zone à grands coups d'acide, si tu veux. Voilà, si le jeu est cohérent avec lui-même et ses intentions,
Il m'en met un troisième. Je peux le faire. C'est pas pire que les régénérateurs de Resident Evil 4. Dans les couilles. Et ça touche, mon gars. Il suffit d'être consciencieux et contenu. Oh. Non. 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 Voilà. Non. Non. Donc. Tout va bien, tout va bien. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ça? Oui, non, mais j'ai pas le matos pour. Très bien. Alors, un put de côte. Alors, bonne chance. Ça, bâton. Ça, ça. Ouais, forcément. Hein. Très bien. Alors, ça, deux barres. Tetris et le E raté. Yay! Ça bloque l'échelle. Est-ce que je devrais aller sauvegarder? Écoute, tant que je suis sur une bonne rangée là. Tant qu'ils sont bien calmes. Non mais je vois bien que vous avez des projets d'avenir, mais la réponse est non si vous voulez. C'est bien, ça les garde calmes pendant un temps, si tu veux. Où suis-je? Un plan du labo, zone Est. Ah, putain, ça va être fantastique! Je sens. Ça va juste être tip-top. Surtout que j'ai pas les codes pour accéder là où je veux. Il me reste plus de la moitié de mon chargeur de lance-flamme. Très bien, ce qui veut dire qu'on a largement l'avantage en termes tactiques et en termes de munitions. Cette salle du serveur est fermée, malheureusement. Je n'ai pas l'option pour y aller. Ah, voilà. Ici va être un gros problème, je sens. Hein. Déjà. Commençons par régler les soucis subséquents que nous allons rencontrer si nous devions rester ici. Plus de ce qu'il était raisonnable. Un trophée, yay! Ben, je le mérite, mais j'ai pas de quoi le porter. Alors attendez, combine ça. C'est vrai que j'ai la cartouche, j'ai les grenades, j'ai la drepou. C'est vrai que je commence à avoir du matos en fait. Un trophée en forme de double hélice d'ADN. Attends, on peut faire un effet graphique de fou. Bon oui, ouin, c'est trop bien. Pardon. Guac Institute. Donc l'institut du guac, si vous voulez. Ah oui. Ah, c'est bon, ça. Ah oui, c'est le code, ça. C'est bon, ça. Gros carré. Petit carré. Et grosse barre. Oui, je colorie dans les traits. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, pas mal, ça. Petit trophée de karaté. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité Bon. En tous les cas. Murph. Encore une fois, un outil dont... Un espace dont l'utilisation me rend rempli de doutes et de... Et d'espérance, certes, mais il reste une balle. Ah bah oui, bah... Voilà, très bien. Oh chier! Ah putain! Très bien!
pas à chier. Ah, chier, il m'a eu. J'aurais dû soigner, je me suis fait avoir, putain. Il m'a surpris. Vous êtes mort, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent, je me suis fait avoir, les amis, ça arrive. Et pourtant, j'avais eu l'intelligence de buter tous les zombards, parce que clairement, c'était la zone à la con. Et où est-ce que je suis? Ah putain, on reprend depuis là? Ah mais c'est fumé, je connais les codes, si tu veux. C'est un peu de la triche, les enfants. Bon, écoute. On va leur faire plaisir. On va leur faire plaisir. Ça, on va le poser. Ça sert clairement à rien. Ça prend de la place. Toutes ces armes sont bien. Mais ultimement, est-ce que je m'en sers? Oui, je m'en sers. Allez, on les prend. On y va. On y croit. On fait ça dans la beauté, l'espoir et l'espérance. Alors. Donc, tout ceci, on le voit. Mais ça ne mène à rien à part ça. Ah! Ah! Il a un truc level 3, lui. Intéressant. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, je sais pas si t'as déjà vu Rotsuki Doji, mon cher. Mon cher Lonlon, mais ouais. C'est globalement ce qui s'est passé. Boum! Ok. C'est une affaire de maîtrise, c'est une affaire de non-problème, si tu veux. Bon, du coup, ça c'est récupéré. Voilà, tout va bien. Même pas besoin de gaspiller des munitions, puisque de toute façon, on va devoir leur repasser dessus d'ici quelques instants. Du coup, un put de code. Ah bah oui, mais du coup, regardez ça. C'est dégueulasse! Absolument dégueulasse! Eh bah oui, mais c'est de la faute du jeu aussi, hein! Ah bah oui! Eh bah oui, ça génère pas aléatoirement à chaque sauvegarde, et bah voilà! Tu fais le travail à moitié, je fais le jeu à moitié, moi! Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pulvérisation de solutions en cours. Voilà, on les arrose, ça leur fait du bien! Y a plus rien ici, c'est cool. Alors ici, il faut qu'on aille à gauche, puis qu'on passe par là, et dans la serre, il y avait des tas d'objets un peu partout. Mais je m'en affole pas, si tu veux. Est-ce que je prends cette herbe rouge maintenant? Non. Pareil pour l'herbe bleue, puis j'ai pas besoin de lui. Voilà. Même pas besoin de les oxyre, si tu veux, ça sert à rien, après tout, on gagne un temps fou. Ici, je peux faire des munitions de pompe grâce à ça, comme prévu. Oh, la cording to Kaikaku, regarde ça! Kaikaku means plan. La grenade! Je la prends. Où est l'appareil magique? Il est l'appareil magique, très bien. Petite gélule! Hop là! Mode manuel activé. Ajuster le volume de solution en fonction de la cartouche. Oui, je vous aime, mais les mecs, je m'en bats les couilles, en fait. Voilà, très bien. Du coup, disais-je donc, Ah! D'accord, je comprends. Je comprends. Ok, ouais, c'est ça. D'accord. Attends, réfléchis. Si je mets ça là-dedans... Attends, si je mets ça dans le petit... Voilà. Attends, j'ai fait de la merde, n'est-ce pas?
J'ai fait de la merde. C'est pas grave. Merde, non. On va y arriver. 3 000 $ de QI, ça va bien se passer. Ok, là il y a une petite dose. Donc si on arrivait à mettre cette petite dose dans cette déjà petite dose, ça devrait doser. Donc si on fait ça et qu'on les switch, et qu'ensuite, c'est pas n'importe quoi, on fait ça, voilà, ça, ça marche. Et enfin... Merde, Ah oui, mais non, mais ouais. Attends, wait. Et bon, tout va bien. Mais parce que je m'étais trompé de fiole, en fait. Sur le coup, il suffisait juste d'inverser les fioles. Bêtement. Tout va bien. Badabada. Elle contient une solution. Une solution finale. Excellent. Donc ça, c'est fantastique. Synthèse d'herbicide. Super, on a récupéré le même document. Donc on a la cartouche avec la solution. Donc maintenant, il faut la refroidir. Pour la refroidir, il faut aller en dessous. En dessous, ben, il faut prendre l'échelle. Pour prendre l'échelle, il faut buter Strum. Ben, le Strum Ninja que l'on passe. Voilà, très bien. Ouh ! Tout va bien. On arrive ici. Le plan. La drepou. Voilà. Et on applique ce coup-ci la même solution que tout à l'heure. À la différence que l'on ne se laissera pas paniquer, si tu veux. Et que l'on utilisera une force mesurée et intelligente face à ces deux liqueurs de ces morts. J'aime bien les liqueurs qui sont sensibles au bruit, mais voilà. Mais ça, ça les dérange pas, tu vois, y a pas de problème. Très bien. Donc là, nous avons Murph, dont j'ignore encore la signification ou le sens réel, je l'avoue. Je l'admets, hein, je n'ai pas toutes les réponses. Même si là, je suis assez fumé, si tu veux. On a le trophée du guac qui, du coup, ne sert plus à rien, mais bon. On la récupère quand même, on sait jamais. Et là, on a l'herbe. Herbe qu'on ne prend pas. On ne prend pas, on va la laisser. Là, on avance et il va se passer quelque chose. Voilà, très bien. Pas assez d'électricité et il faut que je passe ces bâtards. Je les grenade ou je pourrais les flash, hein. On pourrait les flash gang bang et passer. On a sans doute le moyen de passer, mais à un moment il va falloir qu'il meure, hein. La situation a désormais été pacifiée. Et la situation en elle-même a été, réglée de manière péremptoire. Ça mène où, ça? Ah, à l'étage qui mène lui-même au lobby. C'est un raccourci qui est, somme toute... Bordel. Bienvenue. Disais-je donc un raccourci qui est somme toute bienvenu. Bien tenté de nous avoir, ce petit bâtard. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Encore une fois. Oh, une caméra de surveillance. Tu t'étais utile. S'il est... Ah, bordel de... Non. Tu t'étais utile si l'électricité fonctionnait ici.
Ah d'accord, il y a encore une salle d'entrepôt. Ok, d'accord, c'est ici, très bien. J'ai toute la zone des escaliers pour me mettre bien et j'ai beaucoup de balles de pistolet. Might as well use them. Bonjour. La nécrose vous va si bien, madame. Voilà. Pourquoi t'as claqué des balles de pistolet d'abord? Histoire de la stabiliser afin de pas gâcher ma balle de fusil à pompe. Le pistolet, j'en ai plein. Ça se passe bien. Ça a pas l'air de m'en demander plus. Là, il y a de la drepoux un peu partout. Personne. Ça sent la feinte ici, en fait. Hein. Malheureusement. Qu'est-ce que... Oh, des balles! Badabada! Cool! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Modulateur de signal. Oui. Note anonyme. Ils se sont tous transformés en des sortes de plantes. Ils reviennent sans cesse, encore et encore. Brûlez-les! Brûlez-les jusqu'à ce que leur corps soit carbonisé! C'est la seule solution. Ah! Alors moi, je veux bien, hein, pas de problème. On y travaillera tous ensemble. Au moins ça vide l'endroit. Du coup là il y a accès à la boîte. Ah mais je suis dans le lobby d'Umbrella en fait. Ah non, attends, si c'est le lobby. Si c'est le lobby. Je suis carrément dans le lobby d'Umbrella. Putain mais j'ai fait du tour. Et donc là il y a deux connards qui se baladent. Donc vaut mieux que je passe par les sous-sols finalement. Oh là là, tous goupilles les enfants. Tous goupilles. On peut poser ça, ça sert plus à rien. Ça c'est la cartouche avec la solution, la seule et l'unique. Ça on sert plus à... Ça on peut le poser du coup parce qu'on fait un peu de place dans l'inventaire. Après tout pourquoi pas. J'ai pas pris de dégâts, j'ai pas besoin de couteau. Un couteau serait pratique. Un couteau serait peut-être pratique. Oh mais j'ai une fusil à pompe. Ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Je crois que c'est la salle de conférence mais c'est pas la bonne idée. Quoique non, j'ai pas le 3 supérieur parce que j'ai pas encore pu mettre le machin de la solution bionique. On peut passer par là. Pardon. Ouais vraiment, hein, leur mettre un coup critique dans le crâne, ça reste la méthode la plus fiable pour être ensuite sécurisé dans les lieux, si tu veux. Et là, normalement, à part s'ils m'ont menti, et apparemment il y a un objet ici, mais je ne le vois pas. Donc ça doit être lié avec l'autre endroit. Non, c'est bon, ils sont morts. Et quand ils meurent sérieusement. Ils font bien le travail. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc là, on devrait être sécurisé, vu qu'aucun zombie, normalement, n'a son cerveau, et que c'est quand même un minimum nécessaire pour que ça fonctionne. Hein. Resident Evil peut pas me baiser là-dessus, et voilà. Et du coup, on peut utiliser le panneau électrique. Déjà... Murph! Murph! Fantastique! Et ça allume la lumière. Ça allume la lumière et ça doit ouvrir la salle des serveurs peut-être. Ou même cette porte là qui manquait d'électricité qui était autrefois fermée. On ne peut qu'espérer, brave gens, on ne peut qu'espérer. Ah! Zombie? Pas zombie? Pas de bruit. Donc apparemment pas zombie, ou alors s'il y en a un, c'est de la triche, madame le juge. Zombie, d'accord. Zombie. Mais zombie gérable. Bienvenue, docteur Lee. Vous avez 5 nouveaux messages. Dis-moi tout. 5 nouveaux messages. Si c'est pas fantastique. Pas de zombie. Pas de zombie. Qu'est-ce que c'est que ça? Des matos de protection, voilà qui serait... Oula. Labo de test basse température. Ah. Wayne Lee. Expéditeur Rick Menansa, objet qu'est-ce qu'il fout? T'as vu la dernière de cet abruti de Cartwright? Faut qu'il calme sa joie, ce connard. Enfin, c'est lui le patron, pour l'instant.
Sinon, t'as pas vu ma double hélice? J'ai inscrit mon secret en dessous, dis-moi si tu la trouves. Alors comme ça, vous avez pas pu venir à notre petite réunion, hein? Pas de soucis, oubliez l'inspection de la serre, je vais vous donner quelque chose de bien plus simple à faire. Mettez en place le budget prévisionnel pour dans 2 ans, et je veux la voir ce soir! T'es vivant? On nous attaque! Y'a des morts, on peut plus accéder à la zone Est! Impossible d'activer le pont avec nos bracelets! Où se cache cette enflure de Cartwright? La plante 43 est déchaînée, c'est le chaos dans la serre, faut envoyer quelqu'un là-bas avant que ce soit trop tard! Wayne, comment on arrête ce truc? Tu dois nous aider, je t'en prie, réponds! Tu te souviens de Suzy, la pom-pom girl? Quelle chouette fille, on était tous les deux amoureux d'elle, mais bien sûr, elle s'en fichait des nerds. Il faut toujours que je te rende les BD et les jeux que je t'ai empruntés, mais tu risques de devoir attendre encore longtemps. Je sais pas vous, mais en cas d'attaque zombie, moi j'essaye les SMS, hein, j'envoie pas des mails. Tu vois, c'est pas... Surtout des mails sur un serveur intranet, en 98. Calmons-nous. Petite chambre froide, tout ceci n'est pas rassurant. J'ai laissé le congélo ouvert. Petit zombie prévisionnel. Voilà. Hé, hey, freeze! Très bien. Ça fait froid, mais on tient. De la poudre. Encore des choses à faire. Ah ah! La solution pour le refroidir! C'était cool. Oh! C'est quand même bien compliqué. Hein. Tout ça pour le laisser au frigo pendant 3 heures. Enfin. Tu me diras. Refroidissement terminé. Il n'y a plus rien à faire ici. Victoire. Donc on peut quitter l'endroit, mais bien sûr, sans courir. Pourquoi? Au cas où il y a un petit liqueurs qui nous pop dessus. Non, c'est bon. Excellent. Tout va bien. Excellent. Salle des serveurs. On peut accéder à ça ou pas encore? Ah, on peut! On peut. Avec un couteau de combat, et ça, c'est cool. Hey, c'est même une salle de sauvegarde, et c'est confort! Et ben putain, pas mal, brave gens, regardez ça! Oh, non, mais le pose pas, reprends-le, je voulais l'examiner, connard. Bon, c'est pas grave. Pose ça. Est-ce qu'on le garde ça? Oui, on peut le garder, on a toute la place du monde, ça se passe bien, et ça c'est encore utile, parce qu'il y a encore un endroit dans lequel on peut l'utiliser. On est plutôt pas mal, hein. Il y a un vrai budget, hein. Ça déconne zéro, les herbicides, hein. Eh ben putain. Je sais pas en tout cas si on est vers la fin de l'épisode, mais à mon avis, on devrait y être très bientôt. Je vais sauvegarder et vous faire des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans Resident Evil 2. Et on est bien, là. On est bien. La salle des serveurs où le mec, il a installé Pokémon et de temps en temps, il met à jour Adobe Premiere, si tu veux. Ça se passe bien. Des bisous.